peuple les Congolais, dites à votre président Kagame, la Kagamephobie, de cesser son soutien avec le 1-23 et là, tu refais un abino très à l'aise. Mais aussi longtemps que Bino Bofandi calme, il y a Abomina, est-ce que Aïdi Bino qu'on a vu son point pour les Sabino, nous ne serons jamais d'accord avec ça. Pour y'a comment on a bas na maï, qu'on bête les deux jours où tu colika, bah rebelle il y a M23, jusqu'à ce que bah y'a connaître perte, il y a deuxième commandant na bango, donc après Sultani Makenga. C'est lui qui vient après lui, même Sultan, et selon les informations, il serait blessé parce qu'il s'est échappé dans la frappe. Kenanjela Congo Live Télévision, chaîne Mok, oui, parce qu'on va y actualité politique et la République du Congo. Avant la côté, il y a un peu de temps, il y a un peu de santé dans mon Mboka. Oui, santé Nangaï, ça va. Je suis déjà presque dans 3 mois de convalescence Nangaï. Et on m'avait au moins donné un repos il y a 6 mois. Mais j'ai été obligé d'interrompre, je dirais, le repos Nangaï à partir il y a 3 mois, donc le 5 juin à Dokoksengo. Pour en répondre à l'activité politique, parce que nous avons une vision pour notre parti, nous avons une vision pour le Congo et nous avons des apports aussi à apporter. Je me sens maintenant bien portant et nous allons répondre à l'activité officiellement le 7 juillet, nous allons répondre à l'activité. Merci beaucoup, mon ambassadeur Gustave. Quand on a mis les distributions de cette année relique, il y a le Bumba, de cette année frappe, il y a un 23, de ce dossier au Italie, député au Bataki cité dans financement contre les rebelles, contre les terroristes, et peut-être que le dossier de l'Italie, Gilles Monieri. Sans qu'il tarde, tout le monde a dit relique, le Bumba, au Bumba, le gouvernement, c'est comme ça, mon soleil, belé, pendant que le juste est mis au caca. Minou, quand au gouvernement, c'est comme ça, mon les belles plans, minou, y a le Mumba, suffisait à solopé, suffisait à coutapé, à une boca, à éviter, et bien qu'à venir politique. Oui, vous savez, un boca dépasse les belles bouillées, nous en boca. Merci beaucoup, n'a personne le mot, et n'a pas union sur Basali, Colandanga, des partout au Yogo Zali. Restez branchés, abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso. Bah, au Balingaranga, bah, coup d'échappement, au Balingaranga, c'est la vie, n'a pas si bien au Kakabambo, t'es des partout au Zali. Ma bé abisso ba congolais tu es baraté qu'est-ce que nous devons faire réellement pour na tous à la honorer à deux fois tu es ba kayango te de un et puis de deux congolais sera sepeli na eloko wana te alinga ke no batunyo sera ba sepela na yango te. Qui n'a pas chanté Lumumba héros national dans notre pays? Qui n'a pas chanté? Qui n'a pas demandé à ce que ba relique ya Lumumba ezonge la biso na Congo na biso? Qui n'a pas demandé le corps de Lumumba ezonga? Lelo oyo le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le vrai Congolais de père et de mère, accepté que ba relique il y a Lumumba, donc relique naie ou ezali symbolisé na linu naie moko ezonge la biso na mboka na biso et puis ba enterré yango e comme aloko la symbole na kati ya mboka na biso mais tozo mona bande ko mususu bazali koloba keno ba bimisi mbongo ebele bele po na linu. Je comprends qu'ils ne sont pas des bantous, je comprends qu'ils ne sont pas des Congolais parce que tout bantou qui se respecte ayebi ko même l'inza kayamutu est représentaka nzoto yamutu, même l'isu yamutu, même l'ito yamutu, même crâne yamutu, même je dirais os moko yamutu, ata elamba yamutu est représentaka kibomutu bobimba. Lelo oyo tozala ki na posa que la représentation ya Lumumba ezongela biso na kati ya mboka na biso, on voyait je dirais son monument, sa statue auto les karana échangé to pesa yango mbote to sol ba Lumumba. Mais où est Zalaka? Vraisemblablement, il y était. Mais les lots Oyo, tu es qu'on soit l'inounaïe, où est-ce que mon coeur a été ni à Yanzotounaïe, bâtir dans quatre cercueils. Nous, les Bantous, nous considérons cela comme étant le corps entier de Lumumba Oyo et Zongel Bissot. Bambo, on ne sait pas quoi dépenser. Tu vas dépenser 1 million de dollars, tu vas dépenser 1 million, 2 millions de dollars. Et ça, la valeur, tu na lutte au Lumumba Oyo Abunda na mboka na biso parce qu'il est parmi le père de l'indépendance.
Lumumba a été tué parce que c'est lui qui avait fait les discours. Oh, et surprenant qu'à voir même le président Kasavubu. Il y a Kolbanaba Belge que non, nous voulons l'indépendance. Or, Lumumba Kasavubu n'avait pas prévu ce discours-là. Il y a un des salaki que Bakanelaye Babomaye. Moutou Oya Koufaki. Pour l'intérêt général du peuple congolais. Moutou Oya Koufaki pour l'indépendance du peuple congolais. Moi, je trouve que Atato tient 10 millions de dollars pour la dépense. Il y a retour, je dirais, il y a relique naïe. Je crois que Ekozala toujours kaka insuffisant. Ekozala vraiment insuffisant parce que Lumumba vaut plus que 10 milliards de dollars, vaut plus que 20 milliards de dollars. Bah, oh, bah, quoi, que le bakembo, on a dépensé, zébélé, et zali batou, de 1, ils ne sont pas congolais, de 2, ils ne sont pas bantous, et de 3, ils ne savent pas respecter le zéro, y a bambo cannabiso, les héros nationaux, bambo cannabiso. Moi, bambo Gustave, tant que le bakembo, mon bandit m'a dit que pas que tout comme indépendant, bambo, on peut contredire, on peut se le bas, si l'autre, si biba passe à l'eau, vous allez grâce à l'homme, parce que vous m'avez dit que vous m'avez dit à l'axabiso, t'es que n'est ni bajera, bambo kate. Avec une boca trop pressée. Na lobby, voilà c'est, les conséquences na lobby, c'est, na lobby, c'est faux et archi faux. Tokota na ba ba civilisation, tokota na ba colonisation. Vous allez voir que le Congo d'ailleurs est parmi d'autres pays oyo te ko soit indépendance na retard par rapport à l'indépendance et pesa na ba pays mususu. Ce qu'otali la Belgique a assiégé notre pays près de 2 siècles. Et ce qui près de 2 siècles, la Belgique n'avait rien fait pour les Congolais. Vous pensez que après 3 siècles, des bandes comme ça, la mingi koleka? Non. Lumumba, c'était un vent qui était venu en Afrique centrale. Il était temps que les Africains basent indépendance na bango. Chose qui a été faite, mais malheureusement, le premier gestionnaire Yambo Kanabiso. Donc après Kasavubu, Kasavubu qui était timide. Quand il a cédé la place à Mobutu, Mobutu n'a qui kozo mboka to ri kolbake Mobutu ndem taboma mboka na biso parce que to kitato mata. Il y avait quand même je dirais certaines entreprises au ba belge batika la kabiso, certaines sociétés au ba belge batika ka. Il y avait une vie meilleure au ba belge batika la kabiso, mais quand Mobutu est venu avec cet esprit au yazala ki nango yazarianisation, c'est ce qui avait poussé à ce que Mbo Kanabiso est comme affaibli sur le plan économique. Et tant que Babengana qui n'a pas entreprise Moussousou, Babengani Babende les tous en général, or, bah, entreprise Wana, soit Tali Badjouen à Bango, soit Bato Badaki n'a conseil d'administration, il n'y avait pas de Congolais. Mobutu était allé, c'est Mobutu qui était allé trop vite en besogne, mais Lumumba était allé à temps. Lumumba respecta qui temps. Nalobi Lumumba a respecta qui temps il y a indépendance parce que ça faisait déjà 2 siècles. Mais l'administration Nabiso, c'est le Mobutu qui était allé trop vite en besogne parce que il avait chassé tous les blancs. Il a chassé tous les blancs. Or quand Lumumba demandait l'indépendance, il ne voulait pas dire que non que les blancs partent. Non, il voulait assez que la gestion du pays revienne aux Congolais que nous sommes. Nous sommes automatiquement dirigés en complicité avec le Mindele comme ça se faisait sous d'autres cieux. Mais au bout tout temps, vous voyez, n'inscrivez pas à Zalaki Nengo, Alingi a mis fin de ça, s'imposer dans la zarianisation. C'est ainsi qu'il avait chassé tous les blancs. Né tu as dit qu'il y a une faillite économique. Merci beaucoup, mon amboka. Peut-être que de cette année, le Mumba, est-ce que le combat au Mumba Bondela est bien sûr à cause de la démocratie? Est-ce que les lois ont toujours respecté toi? Toujours sur toi, colonisé, toujours chez les Blancs? Non, le Mumba avait lutté pour notre libre aujourd'hui. Nous sommes libres aujourd'hui, nous pouvons le dire. Nous sommes indépendants aujourd'hui parce que nous sommes la République démocratique du Congo dirigée par des Congolais que nous sommes. Nous n'avons pas un roi, nous avons un président et les injonctions ne nous viennent pas d'ailleurs. Mais il y a un petit problème dans l'Italie, liberté, dans Bissot. Bissot, mon condé, ma Congolais à l'interne, nous ne savons pas gérer notre liberté ou notre indépendance. C'est ainsi qu'il y a des complicités. Il y a des Congolais Moussousou. Il y a des Congolais qui sont liés à l'étranger pour venir étouffer les Congolais. Il y a des rébellions, des difficultés à des fois sur le plan économique, des difficultés à des fois sur le plan je dirais professionnel. L'emploi est vraiment parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à freiner. Mais en ce qui concerne la liberté,
Et moi, j'ai eu l'indépendance. Je pense que Lumumba n'était pas allé trop vite en besogne. Il avait saisi l'occasion et tout était très bien fait. Merci beaucoup, Namboka Gustave. Tu as dit Italie, l'Italie, Bitumba, en quatre est, République du Congo, tu as dit RD, FARDC, au four au moulin, après avoir coupé de quelques villes, en quatre est, République du Congo, mais FARDC, au four au moulin, au traqué, il y a eu rebelle 1-23 jusqu'à ce que qui est dans sa vente. D'abord, félicitations à FARDC partout au Bozali. Il y a beaucoup de gens qui ont fait sa chance dans la FARDC. Ils ont fait que FARDC a fait une montée significative devant l'adversaire congolais. Bah, 1-23 au Bazali soutenu officiellement par le Rwanda. Et coup de chapeau à comment on a bas na maï qu'au bête les deux jours où est koleka bah rebelle y a 1-23 jusqu'à ce que bah ait connaître perte y a deuxième commandant na bango donc après Sultani Makenga c'est lui qui vient après lui même Sultani selon les informations il serait blessé parce que il s'est échappé. Na frappe wana ye mukwazala kwa na lobby Sultan Makenga lui d'ailleurs s'est échappé parce que il était là il serait blessé na frappe o ebeta makyo esali que adjoint na ye le commandant na ye il y a troupes à d'ailleurs sur place avec d'autres militaires et je dirais certains officiers il y a armée na bango coup de chapeau ba rwandais pe ba coupier belé et ali message au ba militaire na biso bazali ko pesa na ba congolais ko loba ke tozali ko bunda parce que ton dimanga to ko wapo na ekolo mais bino peuple congolais bozala uni pour nato bengana ba rebelle parce que na kati ya guerre wana soyez rassuré que il y a l'infiltration même il y a peuple congolais bisomoko au tozali ko divulgue ba stratégie na biso pour na adversaire azwa les dessus sur nous ndelo ko biso tozali ko boya ya wana mwana mboka gista ko sulu ba ke ba ki faire des ba bisko beta makasi ba si jusqu'à ce que ba soko ba yi rebelle ba soko perdre des moko ya bango ya ba commanditeur akufika à mon côté ba kufi ebele. Mais alors, qu'est-ce qui se passe que Hermo se fait des attaques et Hermo va se dire répliquer? C'est quoi au juste comprendre la non, bah réplique, monsieur César, c'est réplique mon coup stratégique, vous comprenez? Et aujourd'hui, vous devez comprendre que Tozali Kobunda, guerre mon coup, n'a pas rebelle M23. Le M23, nous comprenons maintenant que c'était un système, il y a un pays frontalier à niveau ya Est. Le voisin de l'Est, nos voisins de l'Est, ba créer moi ba milice na bango ba créer moi ba terroriste na bango ba tinda ka bango na RDC pour na koya ko lukela ka bango mbongo parce que l'Est est rempli de richesses minérales voyez un peu donc nous avons plein de minéraux là-bas où ezali ko sala que plein de minéraux plutôt où ezali ko sala que ba pays voisin baloula richesse na biso lokola ba koyi ko zo yango logiquement boité nde il faut ba créer bah climat il y a insécurité avec insécurité là et permettre bango bah il y a kakoyi bah la richesse na biso en complicité na bana mususu il y a mboka na biso yango moni à deux fois FARDC a koyi ko sala attaque na framoko x to y les infiltrés qui sont dedans bah koyi ko yebisa na ba rwandais boko te la temps mususu na zone moko songolo to mpakala parce que bisika wana FARDC azate ndo mona toza surpris et dernièrement nous avons été surpris même il y a quoi que certains ZADF, Babimelaki, Nanzela et Ouganda, membres M23, Babimelaki, la frontière Nabiso et Ouganda, chose qui nous a beaucoup frustrés, et Pessibiso, Kanda Makasi, mais nous sommes en train d'observer, comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, privilégie toujours la voie de la diplomatie, parce que c'est ce qui est recommandé aussi. En tout cas, Tosali Kota Lelaye, mais biso peuple, nous sommes déterminés et l'armée est déterminée à traquer tous les fauteurs de troubles dans la République démocratique du Congo. Toroti que la bango a été espace mongote, le Congo nous appartient. Aucune portion des terres de la République démocratique du Congo sera donnée, je dirais, aux pays voisins comme ils le prétendent.
Président Gustave, il m'a expliqué qu'il y a une vérité dans la télévision. C'est comme si on a dit que les gens ont 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 dit que les gens Non, et d'abord piégeté de 1 parce que le nombre de militaires au Bakoyawana, Bakoyebana, de 1. Et puis de 2, il y aura la supervision, il y a armée Nabiso parce qu'ils seront, ils vont travailler conjointement. Ils vont travailler, je dirais, en série, hein, c'est-à-dire Basimbani Koto, Basimbani Koto. Vous voyez un peu. Donc, on travaille dans Bango Bongo et nous allons tous le surveiller. Mais et là qu'on a une coquille Kolobela, peut-être Ezali a que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi voulait montrer à la face du monde qu'il était prêt pour l'option diplomatique. Pas l'option au militaire, l'option diplomatique. Batubandai Koloba peut-être que non, EAC, RDC, ça l'a raté, boy. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a engagé la République démocratique du Congo comme membre de l'EAC. Quand on a été dans le cadre, on a eu un sentiment de l'État. Mais nous sommes là pour surveiller tout, et non seulement surveiller, mais pour contrôler aussi, parce qu'on surveille et on contrôle. Et là, nous avons toutes les informations. À partir de l'EAC, nous devons comprendre que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, et aussi l'Ouganda est complice, bien que hypocrite. Il y a un abysse sur Toulobaki. La meilleure façon de contrôler l'adversaire, ce n'est pas être loin de lui, mais c'est de l'approcher. Quand tu es proche de l'adversaire, tu sauras très bien les contrôler. Et le loyo, le monde entier commence quand même à nous donner raison. Et petit à petit, parce que nous sommes en ciment. Et lorsque nous avons état de siège, c'est parce que nous sentons que désordre les cas qui sont en sécurité. Mais état de siège est que permettre de sauter banani oyo bazali derrière cette insécurité-là. Et aujourd'hui, nous avons découvert même qu'il y a d'autres pays de l'Est qui sont derrière pour déranger la quiétude de la République démocratique du Congo. Et il y a une armée Nabiso et Zali. Prête pour nous réagir. Bien que nous avons de l'embargo, mais nous allons amener tous les moyens possibles pour que l'armée Nabiso soit très bien équipée et pour faire face à l'adversaire Nabiso. Pour votre information, notre armée est une armée plus forte, forte au niveau de l'Afrique, parce que nous sommes 8e dans le continent d'Afrique, nous sommes 10e, mais ce qui nous manque, c'est seulement les armes, les moyens matériels pour combattre les ennemis. Yango Moni, toujours Bundana, comment est-ce qu'on peut enlever cet embargo? Toujours de ces estes, tout ce que on a fait, de la présence en l'Assemblée nationale, Mboso Kodia, à ce que c'était un député qui est un groupe armé. C'est comme ça qu'il y a une information. Donc, quand c'est tout ce que on a dit, c'est ce qu'il y a, peut-être député, on va dire, cité, on a battu de financer un 23 mois. Bon, il y a un député, il a mis sur autofota, parce que mais tu sais pourquoi? Parce que le peuple congolais n'avait pas voté utile. Le peuple congolais a voté qui n'a pas sentiment. Et le processus électoral au Joseph Kabila Memela Rabiso et facilitera même les infiltrés Baya pour voter dans Katiambo Kanabiso, surtout dans l'Est, n'en parlons pas. Sur Otali, la plupart même, il y a des députés Wana Obaza cité. Ils sont pour la plupart, il y a Est. Bato balingara kimiante na kati ambo kanabiso. Yango tozoe bisaba congolais boy. Si réellement nous aimons le Congo, hein, évitons la haine contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, mais privilégions l'intérêt général du peuple congolais. Tala que mbo kanabiso lobby Félix a rosalaté, mais il y aura un autre qui viendra à la tête du pays et qui défendra le Congo. Et nous serons toujours dans l'obligation de coéder. Parce que si nous sommes unis, le Congo sera fort. C'est ce que je peux demander. Qu'on ne se limite pas à nous balancer la liste de ces gens-là dans les réseaux sociaux. Parce que ils ont trahi le peuple Oyo, Bavotaki Bango, la population Oyo, Bavotaki Bango. Comment se fait-il un député à quoi se permettre de financer un groupe terroriste
pour tuer encore le peuple congolais, mon frère. Moutabon, il faut que l'aïe mawa. Moi, j'ai dit nieto. Moutounion sera à cause à la cité. D'ailleurs, moi, je demanderai qu'il y ait la justice populaire. Moutou ya bongo, ce qui va voter, qui est peut-être, je donne l'exemple, ce qui va voter, qui est Nanjili, Boué na Nanjili, Bobengsi, population Nanjili, Moutou nabino, obo vota, ka yé, yoyem tazali, ko financer, ba rebelle, pour naba, mou marabani, nanabino, bolobini, ni totike, libino yé. Ce peuple, la roubake, non, to bomba, et to bombien. Ce peuple, la roubake, non, to silanane, une fois pour toutes, comme ça, babilo, kouana, et ko zonga ka li sou souté. On en a marre avec ce genre d'infiltration. Merci beaucoup, mon amour Gustave. Tout ce que je vous ai dit, c'est que la décision du ministre de l'Intérieur aussi pour suspendre l'activité politique sans été, porte à tenir, le ministre, vous savez qu'il y a au sein du ministère de l'Intérieur, il y a l'organe sécuritaire. La sécurité du pays est dépendante du ministre de l'Intérieur. Dans le ministère de l'Intérieur, nous avons la police nationale qui est censée de rétablir l'ordre. Et ce qui peut être ministre de l'Intérieur a trouvé que dans cela peut-être il y a un rassemblement, il y a soit l'infiltration, il a droit peut-être qu'on interdit. Mais moi je me demande. C'est difficile d'ailleurs, c'est facile plutôt de détecter s'il y a des infiltrés parce que le ministère peut envoyer facilement des agents pour faire semblant yakoyoka, mais ils seront en train de recueillir les informations. C'est l'une des stratégies où Joseph Kabila Bandai Kosala. Vous savez que même dans nos matinées politiques, à l'époque où nous étions dans l'opposition, il y avait les infiltrés de Joseph Kabila Bandai Koyapé dans la matinée politique. Il y a d'autres qui assistaient même dans des réunions stratégiques pour avoir juste les informations. Donc, dans ce sens, on a, si le ministre de l'Intérieur a comprendre que c'est la malade, ça ne vaut pas la peine. Il y a qu'au fermer fonctionnement, il y a un parlement debout. Ils en ont à mon côté, de un et puis de deux. Et Zali Kaba Parlement débouté, il y a des marches qui se font chaque jour. Et puis, il y a un secteur, je dirais, qui devrait peut-être être mieux sécurisé. Mais vous voyez les gens passer pour faire des marches. C'est là que pouvaient provenir, je dirais, certains dangers contre, je dirais, l'atteinte à la sûreté nationale. Mais Kolobako, le parlementaire debout, serait peut-être en train de perturber ou de déranger. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas une très bonne carte, mais c'est une mauvaise carte parce que dans le Parlement des Boubissons européens, toujours à moi, l'information. Dans l'Italie, port, il y a tenu interdiction. Moi, je dirais oui, là, il a raison. Mais il n'a pas très bien précisé. Il devrait dire que port, il y a tenu interdiction. Pourquoi? Parce que de 1, il y a un substituer. Naba grand commerçant en faveur yaba adef, c'est-à-dire baki en faveur yaba adef to ba terroriste to pe yaba rebelle bakeyi ba sombi ba teni wana croyant que ba ya côté que lango ba congolais pour na ba sa la marche de soutien pour le FARDC, mais ba to na ba ko ko mi sango ba teni militaire ba pesi na ba rebelle pour na ba banda ko bundisa yango biso. Donc moi je trouve que d'abord sur ces points là il n'avait pas très bien explicité, mais moi je trouve quand même c'est fondé. Il y a quoi interdire le port, il y a batteni. Puis de deux, batona ba koyi ko sala ba commerce, il y a batteni wana ba komi ko zala pour na ko alimenter na yango ba réseau na bango. Donc ngai na bisika wana na lobi que on doit interdire port, il y a batteni, il y a un pentagone. Et ce mouto wana posé ko sala marche de soutien pour na faire DC à la tata polo ya noir ba komi je soutiens faire DC topé alati. Je m'excuse, teni à terre pembe, topé, il y a orange, topé, il y a jaune, topé, il y a rouge, à terre bleu, mais pas comme un FARDC, ou soit je soutiens FARDC. Moi, je suis très bien ensemble, présent Gilles, je suis parlementaire de vous, il y a Zand dans le commerce, ainsi que vous allez le arrêter, jusqu'à l'autre, il y a déjà 4 ans, 5e jour, 2 jours, il y a l'arrestation, il y a. Il peut crimer, bonne ouvre qui a tout le temps qui est sans moi. Arrestation et Jules et Pessé n'a pas si ma casse parce que c'est un compagnon de lutte. Tobundi na Yemingi. Bakanga qui est justement parce que selon Batu Oyo, Babanani,
policier attendra qui je dirais les infractions hein, je dirais qui ont concouru à son arrestation ou les éléments qui ont concouru à son arrestation pro justice yanaye à l'obico Jules serait dans un réseau il y a bas criminel Jules serait dans un réseau il y a bas xénophobe bato bazali ko amplifier la xénophobie bato bazali ko je dirais ko amplifier le tribalisme. Or moi je dirais que c'est faux. Jules n'a pas été dans les réseaux des criminels. Jules n'a pas été un xénophobe. Le oyo sokotali ba tribaliste belé na kati mboka na biso batike la bango chance bato balobaka boma moluba tikanyoka toyebi bango. On a vu comment est-ce qu'on avait maltraité tous ces gens là. Est-ce que ces gens là ont été interpellés même à taba ba travaillaka na époque il y a Joseph Kabila? Est-ce qu'ils ont été interpellés? Mais aujourd'hui Balingi va faire avoir biso que nous les Congolais nous devons avoir peur des Rwandais. Non, moi je dirais qu'on ne peut pas avoir peur des Rwandais. Moi je l'ai dit aujourd'hui qu'ils viennent aussi m'arrêter. Je dirais que la xénophobie d'ailleurs est mieux que la kagaméphobie. La kagaméphobie, je dirais que c'est une pathologie que nous devons tous éradiquer dans notre pays et surtout en Afrique. Parce que la kagaméphobie consiste à trois éléments. De un, entrer dans le pays voisin, tuer sa population et piller ses richesses. Deux, infiltrer, je dirais, le pays voisin au travers le mouvement insurrectionnel, le mouvement terroriste et les mouvements rebelles tels que le M23. Troisième élément de la kagaméphobie, c'est l'hypocrisie. Faire comme si je suis avec toi, ou en réalité je ne suis pas avec toi. Maintenant, aujourd'hui, la kagaméphobie qui a tué plus de 10 millions de Congolais à l'Est. Les 10 millions de Congolais à l'Est ont été tués par le mouvement rebelle, le mouvement terroriste soutenu par les Rwanda, Ouganda et consorts. Si aujourd'hui, Jules Kalubi, par ce choc-là, par cette émotion-là, comment on a que l'armée congolaise a confirmé que ce sont les Rwandais qui nous attaquent. Ce sont des Rwandais qui soutiennent le M23. Et d'ailleurs, on avait arrêté des militaires rwandais. Sur ce, Jules Kalubi avait invité la population à être éveillée, à ne pas faire confiance au Rwanda. Non, à Tinda Kimutu, ceux qui ont le bail que non. Est-ce que nous, nous avons besoin de problèmes? Non, laissez-moi évoluer. Nalobi, laissez-moi évoluer. Je m'y revenir parce que vous condamnez Jules Kalubi. À le bail que non, Simba Machette, entre guillemets. Oui, nous condamnons cet acte-là. Mais c'était pendant quel moment? Puisque nous sommes tous en embargo, tous en armé. Vous allez condamner aussi les généraux de la police ou les colonels de la police, Nagoma. Tanguba M23 ba attaqué qui biso soutenu par le Rwanda. Oui, ça va que notre kanga des Rwandais wana. Tanga loba ki que population apprêtez-vous, nous n'allons pas céder aux aventures rwandaises. Soit qui ba koti awa Simba machete, Simba nzete, okuta na bango, silana na bango. Pourquoi on l'avait pas arrêté? Non, écoutez. Tangu to komi na guerre et que guerre est commis acharnée, tout citoyen est censé sécuriser l'intégrité de son territoire, de ton pays. Est censé de défendre son pays. Il peut utiliser n'importe quelle arme pour se défendre. Comprenez? Alors, Nabisi Kawana, je peux comprendre peut-être l'angle diplomatique qui a Kolobakeno, Maloba Jules, Bakoyi, qui a interprété Angomabe, Kolobakeno, les Congolais sont contre le Rwandais parce qu'ils ont peur de cela. Mais moi, j'aimerais dire aussi aux Congolais, nous devons le faire. Parce que si nous restons bouche bée, ces gens-là, je dirais les aventuriers là, le tige là, je les appelle des tiges parce qu'ils n'ont pas notre morphologie. Ils doivent sentir que le peuple congolais est déterminé. Dans le nombre autres, il y a plus ou moins 90 millions d'habitants, ils auront peur. Parce que c'est obito qui na bango tana guerre na maboko to kote la bango na to beti bango to bengani bango na mboka na to annexer ango na kati ya mboka na biso. On doit pas céder. Donc moi j'ai dit que si le roi n'en avait pas se retirer officiellement, nous les Congolais, nous allons nous prendre en charge contre le Rwandais. J'insiste, contre le Rwandais, nous allons nous prendre en charge. Si les Rwandais trouvent
qu'ils ont intérêt à vivre en amiable avec les peuples congolais, ils doivent interpeller leurs autorités, en l'occurrence Paul Kagame, Koebisa Kagame, Tika Ozo Bebi Selabiso et Fandeli Naba Ninga ya Congo, Tika Buzo Bawana. Nous aimerions voir les Rwandais marcher pour dire na Paul Kagame, nous ne voulons plus de ton soutien na M23. De wana tu comprendre que non, ils réfléchissent comme nous. Aussi longtemps que Bazali ko applaudir Buzoba Oyo, Paul Kagame Bazali ko sala, c'est que même la population rwandaise est complice. C'est pour ça qu'il s'agit d'un intellectuel qui a été très bien. Tant que vous êtes de Rwandais, vous avez une vision du gouvernement rwandais ou bien population rwandaise. Dans le lobby, quand on parle des Congolais aujourd'hui, les Congolais sont représentés par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Vrai ou faux? Et quand on veut s'attaquer au président Félix-Antoine Tshisekedi, on va commencer par sa population. Donc, il y a un mot dans le lobby que non, les lots Oyo, tout ce qui se voile la face. Tozan attend, je dirais, le temps de la crainte du Rwanda est révolu. Tobandaï Kobanga Rwanda, à l'époque, il y a Joseph Kabila, parce qu'il y avait plein de militaires rwandais, c'est Jacques Armée Nabiso. Et le, notre armée est purement congolaise. Nous avons des Congolais qui peuvent bien défendre ce pays. Nous allons dire aux Rwandais, moi j'ai dit aux Rwandais, avec les Congolais, dites à votre président Kagame, la Kagamephobie, de cesser son soutien avec le M23 et là tu refais un abino très à l'aise. Mais aussi longtemps que Bino Bofandi calme, il y a Ayaka Abomina, est-ce que Ayibi Bilo qu'on a vu ce point qu'on laisse Abino, nous ne serons jamais d'accord avec ça. Merci beaucoup, mon amour Agiste, pour moi ce que vous avez besoin. Mais je n'ai pas eu pour lancer mes bateaux partout dans mon antenne, malgré tout, c'est Diki Mini, mon amour. Non, Likambu Yakagame, Pessinga Kandama, c'est parce que dans ce monde, Jules, un Congolais, qui a été arrêté juste parce qu'il a été contre les aventures, il y a des Rwandais dans le cadre de la Mboka. Nous avons des Congolais qui sont au Rwanda, qui sont au Rwanda, qui sont au Rwanda, qui sont au Rwanda, qui sont au Rwanda. Plus de 10 millions de Congolais, qui sont au Rwanda, 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 qui sont au Rwanda. Na bandeko tu bazali ko landangai to senka ba soutien na bino na armée na biso parce que nous avons de nouveaux commandos au ba otipe ko bimali susu kalaminte ba ok na terrain to lobi biso sore o senka ke no biso nyoso to simba matuza ndenge na Ukraine le peuple ukrainien simi manduki pona ko défendre mboka na biso il faut to défendre yango to umeli trop je dirais na colonisation ya ba belge. Si vous mettez trop la colonisation, il y a l'armée rwandaise, l'armée Nabiso, Penambo, Kanabiso. Nous disons cette fois-ci, niette, Makambwana, il faut ici là. Ou soit la paix totale, ou soit la guerre totale. Nous sommes prêts à le faire. Ponambo, Kanabiso, Ezala, en paix. Non, Azafati est Koufate. Azafati est Koufate. Ezali, Ngai, Nzote dérangea qui. Non, non, Ezali, Nzote dérangea qui Ngai, Naouti Kobe là quand même. Mais je crois déjà dans le mois de juillet, tu te comme à la fin du mois de juillet, tu vas reprendre l'activité. Donc, après, si vous êtes dans le Balinga Gustave Lutumba, de partout où vous êtes, malgré la convalescence, nous sommes là. Après, si vous êtes dans le secrétaire général Augustin Kabuya, oh, on a pessié Maloba Yalikolo Koleka. Le secrétaire général Augustin Kabuya n'en est pour rien. Le lot au moins, il va tout bazar au cité, dans l'arrestation, il va combattre les Aliko Salama. Mais, d'après mes analyses, il n'en est pour rien. À moins qu'il n'a s'est trompé. Batou oyo basali lelo que combo ya secrétaire général Augustin Kabuya e banda ko tangama lokola yenda zali à la base ya arrestation ya ba combattant et zali ba certains communicateurs na ye ba certains conseillers na ye parce que 3-4 jours avant l'arrestation ou bien une semaine avant l'arrestation ba sala ba publication na bango ba publia Moutounion sera à finir qui c'est j'ai Kabuya Kalamingi Tarozala devant la justice. Ma publication en Ezali. Yango mon et Amotan dans le Brana, le CG, ce ne sont pas tous ceux qui vous entourent là qui vous aiment. Non. Il y a d'autres qui ne viennent que pour leurs intérêts. Ils étaient quelque part, mais ils sont aujourd'hui là. Bon abal y a bien. Il faut baloubama be abaninga moussousou. Il faut balouka ba finga na kombo na yo. Oh, yote muto tindi bango ba finga, ezo bima se comme si le CG muto azali kotinda bango. Donc, na ebisi pe na bandeko wana, bon mesure akaba publication na bino. Vous êtes proche ya chef, ya le secrétaire général Augustin Kabuya, vous n'êtes pas obligé à causer la akaba publication ya ba sentiment. Et je demande aussi, na chargé à communication ya le secrétaire général Augustin Kabuya,
Prenez l'habitude de contrôler tous vos communicateurs. De un. Et puis de deux. Avant que tu aies la communication contre X et Y, il faut que le bureau soit approuvé. Parce que ce bureau est approuvé, c'est qu'il a publié dans Ndenge Yamabe. Tu as dit que nous allons proche du chef, c'est que c'est le chef qui l'envoie. Oh, en réalité, ce n'est pas le secrétaire général de Moutatindi. Donc voilà ce que moi je peux dire sur cette affaire. Je suis un peu prof Kazadi, mon père, je suis un peu ébélé. Papa Moukouna Kazadi, je suis un peu ébélé. Je suis un peu ébélé, na maman Nelly, je suis un peu maman Annie Kongolo, je suis un peu na pesi mbote na bainyoso balinga kagista luma bozali teleme bele mon vie tati bololo na pesi mbote voilà na, na voilà Suzi o ya bibiso pesi oui na pesi mbote na mama Suzi hein o ya bibiso na biska o tozali ko sala juste mission na biso oyo donc on a pesi bambote e bele makasi na annoncé les sous reprise ya ba activité nanga officiellement na mois de juillet awa na zosongi la ba activité nyoso normalement. Ba conseil na bino na zobo ya te président Fanda nanu, président Fanda nanu, oui bientôt 3 mois na zongela yango malem malem le bité que non na boy ba conseil na bino parce que ko Fanda pe boy na zomo na ko Fanda talaga na Congo talaga na Kinshasa ko Fanda pe boy mystique trop voilà merci beaucoup mon amour Gustave merci beaucoup mon amour.